extraordinaire d'intuition, d'empathie, peut-être quelque chose, et un regard, pas seulement un regard, une écoute aussi qui était très, très profonde et dont il nous fait profiter dans ses entretiens sur la peinture. Comme l'a noté le critique d'art Michel Godet, les yeux qui ont vu Auschwitz ne regardent pas la peinture d'un même œil ordinaire que les autres. D'ailleurs, les peintres, eux aussi, connaissent l'histoire, songeant au Guernica de Picasso. C'est à propos de Picasso que Verdet écrit dans ses entretiens sur la peinture, la chose suivante, il dit « Un trait de lui partage la lumière. Il va, et toujours plus loin recule l'horizon. Plus au loin recule la ténèbre. Plus au loin s'élargit notre chance, notre espoir. »